Bien, c'était Jean. Alors, quoi de neuf? Moi, personnellement, ça va très bien parce que j'ai une grande annonce à vous faire. Enfin, une grande annonce. Ah oui, une grande annonce pour moi parce que du coup, c'est une bonne nouvelle. Mais du coup, ça va être une bonne nouvelle pour vous aussi parce que cette année, je vais à la Japan Expo qui est dans moins de 5 jours, je crois, normalement. J'ai oublié la date, je ne sais plus quel jour on est. Donc voilà, je vais à la Japan Expo et rien que pour vous, je vais filmer tout ça. Enfin, rien que pour vous, surtout pour moi. Mais je vais surtout partager tous les moments que je vais passer à Japan Expo. Je vais tout filmer, tout ce que je vais faire. Et je vais vous passer ça avec un montage que je vais vous faire comme ça. Pour vous partager, pour ceux qui n'ont pas pu aller cette année, pour voir tout ce qu'il y avait. Les personnes que je vais rencontrer, il y a des gens d'un forum que je vais voir, peut-être des amis, d'autres amis de toutes parts, enfin bref, il y aura plein de monde, ce sera cool, ce sera super, mais voilà, je vais vous faire partager tout ça. Je vais aussi vous dire 2-3 trucs, parce que déjà je voudrais remercier les nouveaux abonnés qui sont arrivés il y a peu, et ce surtout grâce au Nikor monstre de foire, que je vais mettre sûrement là, voilà. Qui a créé un véritable engouement sur ma chaîne et du coup il y a beaucoup de gens qui m'ont apprécié, je pense surtout par rapport au montage mais aussi la musique aussi qui est assez spéciale au niveau Nikor. Voilà, donc je voulais remercier tous les messages, tous les bons commentaires et aussi les commentaires qui sont arrivés sur Trap, la mini-série que je fais. Tous les bons commentaires qui sont arrivés, que c'est bien, c'est sympa, bon. Voilà, j'ai commencé un truc parce que je savais pas si ça allait intéresser les gens qui venaient d'arriver parce qu'ils avaient juste vu un Nikor. Tu sais, il y a des fois les gens viennent pour un Nikor alors que la chaîne n'est pas vraiment axée là-dessus, ce qui est un peu vrai pour moi. Mais pour le coup, j'ai quand même continué un Nikor. Alors par contre, je vais pas faire de Nikor des musiques qu'on peut entendre tous les jours, que plein de monde l'a déjà fait dessus. Je vais sûrement continuer un Nikor sur les vidéos de Edge MLG, surtout les speed dating. Le speed dating. Il fait des speed dating maintenant, j'avais dit, j'étais pas au courant. Les speed painting, voilà, et aussi si certains ont des requêtes de Nikor, je peux très bien en faire, hein, le Nikor sur ODEF, la musique du jeu Until Dawn, c'est quelqu'un qui m'a posté un message sur ma page Facebook, et qui m'a demandé, enfin, on a parlé, et puis au fur et à mesure de la conversation, au bout d'un moment, il m'a demandé... Est-ce que c'est possible pour toi de me faire un Nikor de cette musique là? Je dis si tu veux. Et ensuite j'ai fait le montage vidéo aussi à côté et comme ça j'ai dit je la poste et puis au pire comme ça on voit. Voilà, donc pour ceux qui ont apprécié, dites-le. Voilà, c'était 2-3 petits trucs sur lesquels je voulais vous parler. L'annonce principale étant celle de la Japan Expo. Donc j'espère vraiment que je vais avoir assez de batterie et assez de mémoire pour tout enregistrer toute la journée parce que ça va pas être facile, du coup il y aura peut-être des moments où j'enregistrerai pas, mais voilà, c'était vraiment la grande annonce que je voulais vous faire parce que c'est la Japan Expo, c'est ma première Japan Expo, ma première, j'ai hâte, tellement hâte. Ah putain de merde. Là ceux qui ont déjà été sont en train de se dire tu vas t'éclater mec. Voilà, donc pour Trap aussi, le second épisode va arriver apparemment un petit moment parce que déjà en fait j'ai un peu peur pour mes cheveux parce que si je les coupe ça va faire un petit faux raccord, je sais pas si les gens vont le voir, je suis assez tatillon là-dessus. Ça faut le savoir. Donc du coup je sais pas si je vais laisser un petit mois avant de faire l'épisode 2 ou si je vais le faire assez rapidement avant la Japan Expo ou avant de partir en vacances. Voilà. Et donc du coup n'hésitez pas si jamais vous avez des demandes à Nikor ou autre chose, continuez de discuter tout simplement dans les commentaires. Appréciez mes vidéos, les anciennes vidéos, je sais pas si elles vous plairont autant, je fais surtout des vidéos de jeux, il y a les anciens podcasts et tout ça, les anciennes séries qui sont moins abouties que Trap. Donc bon, mon niveau a un peu augmenté au fur et à mesure des mois et surtout de l'année. Mais c'est pas si flagrant que ça je pense. Donc, à vous de faire votre choix. En tout cas, merci d'aimer, de liker et de vous abonner. Parce que ça fait plaisir. Écoutez, j'ai jamais été autant content de voir une vidéo autant appréciée et autant vue par autant de gens. Surtout que je ne connais pas. Parce que voilà quoi. C'est un réel plaisir. J'évite. Je me retiens même d'en parler partout. Et pourtant, c'est pas un gros succès, hein, c'est juste. C'est juste une grosse vidéo parce que c'est un Nikor d'une personne qui a beaucoup de gens. Donc... Mais savoir que sa propre vidéo a beaucoup de vues comme ça et qui est connue que
Bah, bref, moi là, ça m'a fait énormément plaisir, surtout que d'autres personnes se sont abonnées grâce à cette vidéo-là. Ça me fait encore plus plaisir. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire. J'ai beaucoup dit le mot dire, je sais pas, je crois. Conjugué ou pas. C'est voilà. C'était ténuté. Ah oui, aussi, j'ai oublié d'ajouter trap. J'ai, on va dire, traduit trap en anglais pour le fun, parce que du coup, je me suis dit, c'est pas une série très compliquée à comprendre, et puis comme c'est assez court le format, ça va être assez rapide à traduire. J'ai fait ça en 30 minutes sur YouTube. Donc voilà, j'ai traduit ça en anglais, donc du coup, si je sais pas, si jamais ça atterrit dans les mains d'un anglais, peut-être que ça va l'intéresser. Comme mon niveau d'anglais est pas très élevé, c'est possible qu'il y ait des fautes tout simplement, peut-être que je passerai ça par un ami qui s'y connaît mieux en anglais que moi, ou voilà quoi. Enfin bref, j'ai traduit ça en anglais, pour ceux qui auraient remarqué ou non. D'ailleurs le titre aussi, il est en... j'ai mis en anglais, et il y a Seul et Slash Alone, donc voilà, donc j'ai mis en anglais, on sait jamais, ça peut attirer vraiment, ça. Autant viser le plus de monde possible, partout, everywhere, bitches. Allez, moi, j'ai de chats à fouetter. On se retrouve sûrement pour la Japan Expo, l'épisode de The Trap, ou un autre Nightcore si vous me faites la demande. Allez, yos les gens, salut.